Salut à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un match qui va se jouer dans d'excellentes conditions. Pierre Ménès, bien sûr, est à mes côtés. Il ne voulait pas manquer ce rendez-vous. Ces deux nations qui se retrouvent en match amical. L'occasion pour elles de voir où elles en sont un petit peu avant les vraies échéances. Le Chili contre la France. Un match dont on n'attend pas grand-chose, mais allez, on espère qu'il y aura du spectacle. Allez, la composition de l'équipe locale. C'est un milieu à trois, hein, qui va être chargé d'alimenter trois joueurs offensifs. L'entraîneur qui a visiblement opté pour le 4-3-3. C'est dans une magnifique arène de 75 000 places qu'on va suivre ce match, Pierre. Oui, on rentre dans la catégorie des grands stades, clairement. Alors, je sais que vous l'attendiez, hein, cette composition définitive de l'équipe de France pour ce match. Voici les titulaires. Dans les buts, on va retrouver Hugo Lloris, bien sûr. Raphaël Varane en défense avec à ses côtés Clément Lenglet. Paul Pogba sera présent au milieu avec N'Golo Kanté. Devant, Kylian Mbappé pour animer l'attaque aux côtés d'Olivier Giroud. L'équipe du Chili qui donne le coup d'envoi de ce match. Pas assez d'application côté chilien, on a perdu le ballon. Les Bleus à l'attaque avec ce ballon. Non, ce sera pour le gardien adverse finalement. Mbappé qui est un élément moteur de son équipe et dont il faudra suivre la prestation de près aujourd'hui. Il est rapide, vif, doté d'une technique très au-dessus de la moyenne. Adrien Rabiot. Mbappé, dans ce genre de situation, difficile de l'arrêter. Ballon de Mbappé rendu à l'adversaire directement. Buensalida. Le Chili à l'attaque, ça peut être dangereux. Il la joue un petit peu comme au hand, hein. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Oh là 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 là, ça passe pas loin! C'est bien défendu parce que le tireur n'a pas eu le temps d'ajuster son tir comme il l'aurait voulu. Raphaël Varane. Mbappé. Griezmann. Ouais, bon timing défensif, hein, sur ce tacle. Il faut être costaud hein, pour protéger son ballon comme il le fait. Arturo Vidal. Ouais, le bon ballon donné par-dessus. Fabian Orellana. Une aide qui tarde à venir. Mbappé. Antoine Griezmann. Les Bleus qui se font plus pressants avec ce ballon. Ouais, le gardien qui sauve son équipe sur cette action. C'est super bien joué de sa part, pourtant c'est pas facile de gagner ce genre de face à face. Oh, le sauvetage incroyable! Ouais, sur la ligne. Non, c'est contré. Il a eu le bon geste, vraiment, c'est jamais évident d'intervenir dans ces situations.
Alexis Sanchez qui a de l'espace. Arturo Vidal. Ouais, la récupération est peut-être une action dangereuse. Contré par N'Golo Kanté. Ouais, avantage, les Bleus continuent malgré la faute. Griezmann. Ouais, la bonne passe en profondeur de Griezmann. Arangis. Il essaye d'étirer le jeu en passant par les côtés. Ouais, bien dégagé hein, ce ballon qui était dangereux. Adrien Rabiot. Le tir. Oh, sauvé par la barre! Allez, pleine surface, le corner de Griezmann. Une tête qui finit dans les bras du gardien. Et ça pousse, nouveau corner. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Il y a Mbappé qui revient dans l'axe. Elle frappe contrée par le défenseur. Une bonne protection du ballon. Ah, il est passé, il file vers le but. Ah, il aurait dû retarder son appel. Une minute, il y aura une minute seulement de temps additionnel. Un match amical qui a eu du mal à décoller dans cette première période. Ouais, Hervé, pas de but en effet, et des attaquants globalement très décevants. Ah, il est visiblement pas dans un grand jour, on dirait, et ses statistiques le confirment. Quand on voit ces statistiques, on se dit qu'il y a moyen de faire mieux quand même, parce que là, c'est quand même juste. Hein. Faut se montrer plus offensif dans la construction ou à la conclusion. La seconde période qui est lancée par l'équipe de France. Pogba. Alexis Sanchez. Chili qui perd bêtement ce ballon. Allez, dans le couloir. Mbappé. Ah, la passe en profondeur, attention. Ah, on se demande s'il y a vraiment cru. Buensalida. On écarte le jeu. La bonne protection du ballon, là. Bien campé sur ses jambes. Alexis Sanchez. Non, on se trouve plutôt bien en ce moment dans cette équipe. Il protège son ballon. Arangis. Allez, prends sa chance. Oh là 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 là, ça passe pas loin. C'est bien défendu parce que le tireur n'a pas eu le temps d'ajuster son tir comme il l'aurait voulu. Le remplacement qui a été demandé par l'entraîneur. Au prochain arrêt de jeu, il va pouvoir faire son entrée devant son public. Ah, il a vu qu'il y avait quelque chose à faire dans cet espace. Ouais, il l'a vu, Mbappé au second poteau. Oh, c'est repoussé par le montant. Ah, c'est pas fini. Ils peuvent peut-être partir en contre. Le bon coup d'œil. Antoine Griezmann. Pas de souci pour le gardien. Paul Pogba. Griezmann. Est-ce ce ballon qui traîne? Ouais, il est un petit peu pris là quand même. N'Golo Kanté, Giroud.
Bien donné à Pavard. Ah, le mauvais dégagement, mal fait. Ah, bien joué, les Bleus ont repris la balle. La grosse occasion pour prendre l'avantage. Et le premier but de la rencontre, le voici. Oh oui, on l'aura attendu. On l'aura attendu, mais on l'aura eu sur la fin. Ouais, ça a été long à venir et c'est peut-être le signe d'une fin de match complètement folle, va savoir. On va voir, on va voir. Ouais, ça paraît toujours facile de marquer d'aussi près, mais en fait, c'est pas tant que ça. Hein. C'est justement quand ça paraît facile que tu sais que le mec est un bon buteur avec du flair. Et si c'était le but de la victoire, Pierre, tout simplement? Ah, ça y ressemble bien, Hervé, hein, il reste plus beaucoup de temps. C'est sûr qu'ils ont choisi le meilleur moment pour placer cette accélération. Le stade qui s'enflamme pour encourager son équipe. Rien n'est perdu, Pierre. Ah, ça, je crois que les supporters ont bien compris que c'était maintenant ou jamais. Hein. Certainement la dernière offensive, hein, pour le Chili. Pour égaliser, c'est le moment ou jamais. Les Chiliens qui continuent. Allez, pourquoi pas l'égalisation? Oh, le but! Plus personne n'y croyait, mais il marque! Le ralenti de l'action, on voit d'abord qu'il élimine le défenseur. On voit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Ouais, exploit individuel, belle preuve de sang-froid dans le dernier geste. Allez, tout est à refaire, un but partout. Plus que 7 minutes à jouer dans cette rencontre. Antoine Griezmann. Oh oui, encore une bonne passe. Ballon perdu. Buensalida. Ah, le Chili qui perd le ballon un petit peu bêtement, prématurément. C'est un ballon important pour l'équipe de France. Il ne reste plus beaucoup de temps. Alors qu'il n'y aura qu'une petite minute de temps additionnel. Ouais, pourquoi pas, c'est bien vu. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Et bien voilà, score de parité après 90 minutes de jeu. Il sait qu'il a la pression dans cette séance. Le penalty réussi. Antoine Griezmann face au gardien. Ouais, c'est dedans, sans trembler. Hein. À aucun moment il a douté. Il ne doit surtout pas se laisser distraire. Et le risque, il fait l'exploit. Et Paul Pogba s'avance. Attention, et c'est dedans. Beaucoup de pression, bien sûr, sur les épaules du tireur. Ouais, très bonne intervention d'Hugo Lloris. Eh bien tiré, ce penalty, c'est fait. Impeccable, plein de sang-froid. Il sait qu'il n'a pas le choix. Il doit absolument marquer son tir au but. Oh, il le rate! Il le rate et c'est terminé pour son équipe! Ouais, il s'en veut là et ça se voit. Ah, c'est mal tiré, on le voit bien sur ce ralenti. Oh non, franchement, c'est mal tiré, ça passe 15 mètres au-dessus. Pff, à ce niveau, c'est pas normal.